en plus de m'avoir offert Rosé Ultra 14 étoiles, de m'avoir offert le fameux Force Drop qui me faisait drop dans les vidéos invocation, je suis trop bien vu les gars de la part des développeurs, parce qu'aujourd'hui les développeurs ils m'ont offert un personnage assez rare, assez spécial, et même peut-être parmi vous que vous ne connaissez sans doute pas, en tout cas pour ceux qui jouent pas beaucoup au jeu, je suis certain que vous le connaissez pas. Oui, aujourd'hui c'est un jour spécial sur mon compte, parce que oui, on m'a offert un personnage, et on m'a offert un perso. Et c'est Bulma des 1000 jours les gars. J'ai enfin Bulma des 1000 jours. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, ce compte là c'est pas mon compte que j'avais depuis le début. Je joue depuis la bêta au jeu, ça on est bien d'accord. Mais j'ai eu plusieurs comptes et ce compte là c'est le deuxième. Donc c'est pour ça que j'avais pas les 1000 jours. Et du coup bah Bulma elle est dans la box. Et du coup bah ça me rapproche au fait que je commence à avoir de presque tous les personnages du jeu. J'essaye de... Il n'y a pas eu encore un moment je crois depuis que je joue au jeu où j'ai eu tous les personnages du jeu, que ce soit EX, Hero, Sparking. Il y a toujours un petit qui me manque, tout ça. Et c'est vrai qu'elle, elle m'a pas mal manqué. Mais du coup maintenant elle est là, on va aller la tester les amis avec Rosé Ultra. Mais alors là vous allez rigoler, pourquoi? Parce que ce personnage il est assez spécial à utiliser. Bulma des 1000 jours, vous obteniez le jeu, enfin le personnage que lorsque vous avez 1000 jours de jeu, ça va mieux dans ce sens là de tourner les phrases. Et du coup encouragement depuis le transmetteur. Au début du combat les effets suivants s'appliquent aux alliés. Augmente de 40% les dégâts infligés pour les alliés pendant 1000 secondes. Bon vous avez bien compris, 1000 secondes ça marche également bah du coup toute la game. Évidemment c'est juste le troll des... voilà. Et augmente de 20% le côté de régène de force pendant 1000 jours également. 40% de support constant, voilà. Juste comme ça au début du combat. Mais, cet effet disparaît lorsque vous vous repliez. C'est-à-dire que, en gros, il ne faut pas mettre Bulma sur le terrain. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Il faut pas que vous switchiez de Bulma à un de vos personnages. C'est-à-dire que, par exemple, il faut pas la mettre au début du combat, parce que vous allez forcément switch. Ce qu'il faut faire avec cette Bulma, c'est la mettre sur le banc, ne jamais la mettre. La mettre quand vraiment ces derniers moments sur un Rising Rush ou quoi que ce soit, et la laisser crever. Parce qu'en fait, si elle crève, tu vas pas te replier. Donc l'effet fonctionnera toujours. C'est le but en fait de cette Bulma. Et elle a un main très stylé. Avec mon charme, ça va aller. 100% de chance d'infliger torpeur à tous les ennemis. Sachant que je vais jouer Rosé 14 étoiles. Ça va être très rigolo. Bon, on va essayer de le mettre si possible. Puis un malus en vrai. Mais on va essayer de le mettre si possible le main. Mais bon, après, il y a des fois, on va la mettre pour crever. Hein. C'est vraiment le petit bonus. Si on arrive à mettre le main, évidemment, avec la torpeur, on est content. Elle a possibilité de stun. Mais bon, voilà. Donc, on va jouer dans cette team-là, évidemment. Voilà, on a fait le forceur, les amis, pour Rosé. D'ailleurs, Rosé ici va être full offensive, 0 dev. De toute façon, il faut qu'il soit capable de taper même sur des violets. Donc, on va voir à 40% de support constant sur Rosé Ultra avec la torpeur et tout, s'il est capable de faire quelque chose. Je voulais juste voir au niveau des persos qui me manquent. Il me manque deux, les gars. Il me manque. Alors lui, j'ai envie de le taper, lui. J'ai Boane au moins 58 étoiles sur mon compte. Mais alors, cet enfoiré là, ce gros chauve là, enfin, ce gros chauve, ce chauve, c'est terrible. Champa qui a pas voulu tomber sur le portail la première partie de 5 ans. C'est pas très grave en soi, je crois pas, mais je veux dire, ouais, Taichan, il ne veut pas venir, donc ouais, on a débloqué bah, plein de persos, et du coup, bah, on est parti jouer tout ça, les amis, avec, évidemment, quand même, jouer un petit peu Zamasu, parce que Zamasu, ici, va être là pour me permettre de tempo, parce que je vais pas pouvoir absolument tout faire avec mon cher ami Satan. J'aurais bien essayé peut-être Satan, mais ça fait cancer de fou, déjà, qu'on a la torpeur avec Bulma, avec Rosé, si en plus on a la torpeur de Satan, là, ça devient trop, je pense. Bon alors je vous dis, il y a moyen que dans le showcase, de toute façon c'est juste pour jouer Bulma et Rosé 14, donc peut-être qu'à des moments je mettrai pas en leader pour rendre le tout un peu plus tanky, mettre plus de support sur Rosé s'il y en a besoin, enfin bref. Bon, je vais faire quelques essais, vous inquiétez pas, dans tous les cas le but c'est surtout de voir Bulma et Rosé ensemble, et puis je rappelle encore une fois, on peut la mettre sur le terrain mais il faut qu'elle crève, il faut absolument pas qu'on re-switch sur Rosé. Donc c'est voilà, tu joues vraiment à deux persos, c'est ça qui est assez fou. Après 40% de dégâts c'est quand même vraiment pas rien. Ok. Bon bah attends, on est sur la base hein. Heureusement pour lui que ça se passe comme ça, parce que là, si c'était spé sur Gwen Beast avec les 40%, sachant qu'au pire, je rappelle, il y a les malus de Rosé aussi. C'est quand même dingue quand même, tout ce qu'on a comme... comme malus, bonus et tout dans la team. Quand même dingue. Okay. Je vous propose qu'on aille vers Spé ici. Ça passe pas dans le combo. C'est pas grave, je me suis fait. Ok, ça sentait bon.
Mettre Gohan là. Oh, yeah, yeah. Oh il est 4. Il est combien de temps? Je crois qu'il est 14, non? Aïe 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 aïe. Il est dans la sauce là. Ah là là. Ah là là, l'anti-cover ici. Oh là là. Oh la personne. En vrai, Rosé, il est sympa quand même. Rosé, c'est quand même un perso sympa. Alors là, il y a moyen qu'on mette Bulma hein, pour tanker Piccolo, crever et mettre la. Et mettre la torpeur. Ça dépend de ce qu'on fait avec Rosé ici. Oh yeah. Ça aurait été insane. Ok, on détruit une DB ici. Je vous propose qu'on mette Bulma. Je pense que ça me paraît être le moment. Moi. Oh, il nous alloque les mains. J'ai essayé de temporiser, les gars. J'ai essayé de temporiser absolument tout le temps que je pouvais. Et sauf qu'on rigole, on rigole, mais on va pouvoir. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des personnes en face qui prennent pas les malus, je crois. Donc. Je vais Rising Rush. Je vais Rising Rush avec Bulma ici. Qu'est-ce qui m'en empêche au final? Franchement, rien. Hein. Même si je vais pas mettre de gros dégâts, mais bon, au moins, j'ai envie de dire, c'est placé. Hein. C'est assez rigolo en plus de ça. Il passe, il y a Rosé dans le Rising, donc peut-être ça va quand même faire mal. In fine, quoi. Oh, il est... Ouais, c'est pas dégueu, hein. Je rappelle qu'il y a la torpeur là. Juste pour rappeler qu'elle pourrait proc là-dessus. Rien ne l'interdit. Je crois qu'elle a disparu malheureusement. Attention, on pourrait se faire Rising. Ça passe pour nous. Ça passe pour nous. Le kill est pris. Maintenant, on va se taper contre Orange Piccolo. Alors, Orange Piccolo, il peut totalement me 1v2. Hein. Ça, c'est... Il n'y a aucun problème là-dessus. D'autant plus que sa spé va faire très mal. Et là, malheureusement pour lui, par contre, c'est pas du tout la même donne. Parce que là, maintenant, on lui met la super saignée. Et là, c'est la puissance de Zamasu ici. Et on va s'imposer. On va s'imposer. Mais pour l'instant, ça a bien tourné. Vous avez vu, ça a été très très fort. Je crois que son Gohan est pas loin de la 14e. Enfin, je sais plus. Je crois que sa team, elle est bien étoilée en tout cas. On va vite faire aller voir ça. Parce que la spé qu'on a mis sur le personnage me dit que si jamais il était 14 à ce moment-là, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Tu peux pas être boosté en PVP. À 14 étoiles pour une spé qui te fait ça, même s'il y a beaucoup de support, Oh. Faire Gohan là, il était 9 étoiles, c'était one shot, mais c'est une dinguerie. Ça joue Yellow Blue en face de nous. Bon, match-up assez correct hein, pour le coup, parce que quand t'as pas le Tagoku Freezer et que tu joues Rosé, évidemment, que tu es content. Ça a plutôt bien tourné en vérité, parce que c'est tout Rosé qui fait absolument tout. La torpeur, on n'a pas pu trop en profiter, mais en même temps, la méta torpeur, elle marche moins bien, hein, parce qu'il y a de moins en moins de persos qui prennent la torpeur. Si cet MVP, par exemple, sur les alliés, bah voilà, Kid Buu la prend pas, Gamma non plus, donc il y a quand même de plus en plus, je crois qu'Orange Piccolo, une fois Transfo non plus, il y a de plus en plus de persos qui prennent pas la torpeur, donc bah forcément, pour les mécaniques comme ça, ça marche un peu moins bien. Allez, c'est parti. Même moi, j'ai honte de jouer Rosé. Même moi, comment tu peux être un joueur de Rosé assumé? Ça n'existe pas. Qui peut dire je joue Rosé et je prends du plaisir à le faire? Bien joué. Ça, c'est putain de bien joué, ça. Ah ouais. On est quand même dans la sauce, là. On est quand même dans la sauce, là-dessus. Ben là, quand t'as pas de caps d'HP full offensif comme ça, mais tu te fais déchirer. Même la caps de Bulma, elle est pas ouf, hein. Dommage. Bien joué. Cette fois, tu vas la prendre, par contre. Okay. La transfo ici, on fait attention parce que, bah, je rappelle, il peut avoir la carte verte contre et tout, donc faut pas faire n'importe quoi avec direct. Ça fait tellement mal par contre. Mais par contre, en retour, ça devrait être sympa. Hein.
On n'a pas de bol, vous savez pourquoi les gars? On n'a pas de chance là-dessus, hein. On n'a pas de chance, je parle pas trop, je suis concentré, mais c'est qu'à ce moment-là, malheureusement pour nous, on lui détruit deux cartes. Et bah, on lui détruit pas la verte qu'il est en train de garder en fait. Ok, on va le mettre sous les 50% d'HP. Ça va être dur quand même, hein. La game va être très compliquée. Tu joues... Là, le fait de jouer à deux persos, c'est un délire, quand c'est chaud, mais. Mais pourquoi pas? Et là en face, c'est une cover. C'est une cover blast de l'autre côté d'Irene, donc bon. Donc ici, ça nous satisfait. Ah, c'est une strike, dommage. Attention. Attention de pas faire d'erreur parce que le moindre Rising Rush, c'est terminé sur Rose et on perd la game directement. Même s'il est vrai que mécaniquement Rosé, bon bah voilà. Hein. Faites tout seul comme un grand quoi. Quand on joue bien aussi. Hein. Donc on fait un bon travail, on va mettre Bulma. Hein. On va rising surtout. On va rising parce qu'on lui a enlevé la survie à lui tout à l'heure. Donc évidemment qu'on va rising. À ce moment-là, je mets Bulma, je mets la torpeur et là à partir de là la game elle sera sans doute pas mal. Même si encore une fois... Oh non! C'est terrible! Ok. Et la torpeur qui vient de proc. Et là, alors là, à ce moment-là, je peux vous assurer un truc, les gars. C'est qu'ici, j'en ai rien à foutre, je switch. Hein. 40% de support ou pas au moins, on a gagné, donc. Je m'en fous d'avoir 40% de support au moins, et moi, ce que je veux, c'est gagner la game. Donc là, même si vous voyez, on met moins de dégâts, mais forcément, on va tuer derrière son gentil tag, il revient avec la torpeur. Alors, ça va pas durer giga longtemps, mais elle est encore là, en tout cas. Ça, c'est cool. Torpeur. Voilà, elle est sympa cette Bulma début jour, moi j'aime beaucoup, voilà, ce bon trio bien cancer, je suis en train de me faire insulter, sachez que là je me fais insulter dans tous les sens, mais vas-y, c'était pour la vidéo, moi c'est pas comme vous, moi c'est pour divertir, vous c'est pour faire du mal, moi je veux pas faire du mal, j'ai rien contre cher ami Puipui Main, déjà, Puipui Main, ah, c'est un coup dur ici, bon, j'ai changé, je lui ai dit que j'allais changer. J'ai plutôt pris Pan et au final bah, j'ai eu raison parce que là par exemple face au tag ça peut être sympathique. ça va être très compliqué cette histoire. Vraiment mais ça va être infâme. Bon avec Pan ça devrait mettre encore plus de dégâts donc ça c'est toujours cool et on a besoin pour mettre la pression au personnage violet. Je pense que vous aurez bien compris parce que je pense que la pression ils vont être capables de nous la mettre donc il faut qu'on soit en retour hein, capable de faire quelque chose aussi. Et ça commence plutôt bien. Tout très bien, même. Est-ce que la torpeur peut proc ou pas? Ok. Torpeur? On a écouté la torpeur. Oh, si elle tue, Pan! S'il te plaît, t'as les 40% de support de Bulma! Allez! Vas-y! Non! Non, c'est terrible! Rising là-dessus, ça met Freezer. M'en fous. Oh non, ça aurait été incroyable, Ça aurait été insane les amis, mais vraiment, j'insiste. T'es mort. Ouah! Oh le one shot. Comment ça mon ref? Oh là là là, mais oui, mais c'est ça que je demande depuis le début, je le veux, demande-moi pour me marier, oui, je le veux, je répondrai ça. Oh là là, c'est terrible. Aïe. Ah, la petite torpeur, ça fait toujours plaisir, puis surtout la petite taille, quoi. Est-ce qu'il s'est enlevé la torpeur ou pas?
ça la question que je suis légitimement en droit de me demander, parce que la game elle est pas win du coup. Bon. Rosé quand même. Vachement rigolo, mais la game est pas win. Non. À quoi ? Après, même si je contre, je suis à 1 PV donc bon. Tu vois, là je vais contrer, mais. Je suis pas un PV. Je suis pas un PV, t'es mort. T'es mort. T'es terminé. C'est terminé. Let's go! Une team bien cancer comme on aime, qui en plus contre le Rising Rush. Je serai mon adversaire d'en face. Je peux vous assurer que j'aurai pas ce sourire que j'ai assez à mes lèvres là. Ouais, non, ils ont abusé. Hein. Alors, si c'est 7-17 MVP, alors 7-17 MVP, ça peut être un sacré avantage. Parce que, autant il peut être pénible au niveau de, du dispel et tout, au niveau de ce qu'il va faire la team, on est bien d'accord. Par contre, oh, comme je vais le tartiner, ça va être pas permis. Je pense qu'il va pas le prendre. Si 7 MVP 4 étoiles, ça serait une mauvaise idée. Il l'a pris, il l'a fait. On attendait que ça. Et c'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, on attrape. J'ai envie de dire maintenant, bah. De toute façon, on met des cartes et on mettra pas. Hein. Alors, est-ce qu'il va tag ou pas de son côté? Il y aura des moments où, avec les tags, ça pourrait être sympa. Ça met Jiren. Non, on a la verte ici. Hein. C'était sûr qu'il a attaqué, mais à des années-lumière. Vu que c'est une strike, il est plutôt bien. Et là, à ce moment-là, on va mettre. Non ou pas? On va, c'est bizarre. Pas trop compris. J'ai pas du tout compris, même. Oui, ah voilà, c'est terrible. Bon, au final, j'aurais dû partir sur le plan direct. Est-ce qu'on perd Bulma tout de suite? Allez, on va perdre Bulma. Pas Bulma quand même. On va perdre Bulma quand même au final. Mais inutile là-dessus. Attention parce que là maintenant il y a double bleu en face. J'aime quand même bien l'idée là. Ça pourrait être sympa. Donc là on n'a pas replié. Hein, donc évidemment tous les effets restent. Normalement, ce timing-là, je crois qu'il peut pas me rising. Hein. Oh, tu veux pas attaquer, frérot, un peu, là? Pas évident de déclencher les attaques, là, je trouve. Oh, le soin. Le soin de ma boule. Non, mais comment ça il me rasine, j'ai ma TP, mais je vais vriller. Ce jeu est... Mais non, mais c'est le pire move du millénaire. Il a fait le pire move du millénaire. Vous savez pourquoi j'ai tackle? Parce que j'ai cliqué sur la carte, mais il me l'a détruite. Et du coup, ça m'a fait tackle. Et lui, il a rising là-dedans, mais je vais virer. Je voulais spé en plus, donc dans tous les cas, il y avait aucun monde où je prenais ce rising. Le seul monde c'était que bah du coup il m'a détruit ma carte et du coup j'ai cliqué et du coup ça m'a fait tackle. Oh c'est terrible parce que là derrière j'ai esquivé. Oh là 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 là. Oh le ref en face il s'est pas rendu compte, je pense ça en est pas rendu compte de l'histoire. Hein. Mais j'avais ma TP hein. Je sais pas du tout le move, j'ai pas compris. Froid, je suis dévasté, régène de TP et tout. J'avais la game je pense, mais bon c'est pas très. On va continuer mais oh là là terrible. Je l'ai toujours un petit peu en travers, ce petit enfoiré de Rising Rush là qui m'a bien saucé. Bon, vous avez rosé tout seul contre une team, il est capable de faire transpirer. Hein. Croyez-moi qu'en face, ça transpire. Après, on parle quand même d'un ultra 14 étoiles, hein. On parle pas de n'importe quoi non plus. Mais mettre les dégâts qu'il met sur Jiren, c'est quand même dingue. Bon, allez, c'est parti. On a toujours eu des bonnes entames à chaque fois. Oh, les dégâts qu'on met là. Oh, il tente des covers, les potes. C'est stratosphérique. Ça passe pas, ça. Ok. On switch, on prend tout de suite. Et là, le problème, c'est... Ah bah, j'ai à avoir le même problème. Hein.
Ok, let's go, let's go, let's go. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je prends un risque. Alors là, frérot, t'es dans la sauce. Hein. Je préfère te le dire, je te le signale, je te le présente en 3D. Déjà, toi, t'es ciao. Ok, ça dégage. Quand les gars, avec Rosé, se passe comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ça se jette de fou en face. Et Razing, on a gagné. Voilà. Bon, ouais, une game, petite game tranquille. On voit une petite game tranquille de Rosé, tranquillement, qui a fait son taf tout seul, qui a juste solo une team. Bon, évidemment, le compte de Rising, sinon, évidemment, ce serait pas très rigolo. Et voilà, histoire de remettre un petit peu d'enjeu, parce que je comprends bien, les devs, ils sont dit, l'entertainment est pas fou quand même. On s'amuse pas trop. On va quand même essayer de remettre un petit peu d'enjeu. Je le comprends, tu vois. Mais l'enjeu, moi, je vais le donner avec Bulma. Parce que je vais avoir la pose de victoire la plus rare de l'histoire du jeu, les amis. Voici la pose de victoire la plus rare de l'histoire du jeu, les potes. Parce que la pose de victoire de Bulma, de cette Bulma-là, en tout cas, je peux vous assurer que vous n'en avez pas vu beaucoup. Parce que je sais pas dans quel monde elle termine à kill. Elle est pas, en fait, elle est même pas faite pour être sur le terrain. Donc, en plus, gagner une game avec... c'est quand même relativement rare. Bon, j'espère que vous aurez kiffé, les gars, cette petite vidéo. Très fun et très rigolote. Bon, il y a eu un petit peu de rebondissement. Ça s'est plutôt bien passé. C'est largement meilleur avec Pan, hein, parce que Rosé, il devient totalement dingue. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé, les gars, comme d'habitude. Bah, vous me remerciez énormément en ce moment. Donc, petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne. Et puis voilà, fallait forcément que je fasse un petit showcase pour ces 1000 jours-là. Ouais, 1000 jours. Ça passe trop vite, les gars. 1000 jours que j'ai refait le compte, pour ceux qui se souviennent du moment. C'est dingue comment le temps passe vite, donc profitons-en ensemble. Et en tout cas, merci à tous de me faire vivre cette petite aventure-là comme d'hab, en espérant faire partie de votre quotidien. Et force à vous pour les épreuves, les gars, en ce moment, je sais que c'est chaud, lâchez rien. Ciao.